Shalom, shalom. Bienvenue. Merci à l'équipe de louange pour tous ces cantiques merveilleux. Amen. Bienvenue à Betharia, bienvenue à notre assemblée messianique et ceux qui nous écoutent aussi en ligne. Bientôt, on va célébrer la fête de la Hanouka ou la dédicace de cette merveilleuse fête, et puis c'était vraiment toujours une joie pour moi de partager la parole de Dieu avec vous. Dans à peu près 2 semaines, on va fêter la Hanouka. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on a un nouveau texte à donner pour les gens qui connaissent les Juifs ou qui vont dans la rue. Ça parle de la fête d'Hanouka. C'est en avant, si vous venez les chercher. Bien, vous savez, mon cœur va vraiment aux migrants qui sont pris dans des conditions de froid extrême en Europe. Plusieurs rapports nous parlent qu'ils sont plusieurs milliers. Et ce qui brise le cœur, c'est de voir des enfants, des jeunes bébés même, qui souffrent de la faim et même de l'hypothermie. Je ne sais pas si vous avez vu des images, des vidéoclips à la télé, mais c'est triste. Ces gens-là ont quitté leur pays dans le Moyen-Orient pour trouver une meilleure vie dans l'Ouest. Ça, c'est pas quelque chose de nouveau. Et ils disent que ce nombre augmente de plus en plus depuis l'été. Nous remercions le Seigneur pour plusieurs organisations qui viennent les aider avec en leur envoyant de la médecine et de la nourriture et des dons. On prie aussi pour les gens de la peuple de l'Afghanistan qu'avec leur nouveau gouvernement, ils disent que 95% du peuple ont pas assez de nourriture pour eux. Donc, selon le programme de nourriture mondiale, on dit qu'il y a à peu près 23 millions de personnes qui s'en vont dans la famine, vont mourir de faim. Et quelqu'un a dit que les derniers 6 mois, c'était pour être catastrophique comme l'enfer sur terre. Bien, il nous a été dit dans la Bible que l'amour se refroidira et de plus en plus alors que nous approchons des temps de la fin. Et c'est ce que Jésus a prophétisé dans le chapitre qui parle de la fin des temps, soit le chapitre de Matthieu 24. Mais nous savons que Dieu, il a été dit dans Ésaïe 63, verset 9, que dans toutes leurs afflictions à son peuple, à ses enfants, dans toutes leurs afflictions, il était affligé. Donc, ça affecte le Seigneur aussi. Et lui, il a sûrement très hâte aussi que tout ça finisse, mais il est patient afin que le plus grand nombre puisse entendre et être sauvé et être vivant avec le Seigneur. Et le sujet que nous allons voir aujourd'hui dans le merveilleux livre de Lévitique nous montre encore une fois la volonté profonde de Dieu d'être avec les humains. Donc, ça nous montre une facette de son cœur qui nous démontre combien c'est important pour lui que le miracle de la foi apparaisse dans le cœur des gens pour être sauvés en croyant en lui. Prions pour nos enfants et pour ceux, les enfants du monde entier. Prions pour eux ensemble. Bless their minds with your truth and light. Let them know through the presence of the Ruach HaKodesh, your Holy Spirit, what is right and what is true to them. And so we pray under the name of the Lord sitting at your right. Bless it in you, for we know our parents that you love and cherish our So let's open up our Bibles to Leviticus 16. So far we've seen how the book of Leviticus directs the reader to the need of a divine mediator.
Bien, ouvrons nos Bibles au chapitre 16 du livre du Lévitique. Jusqu'à maintenant, on a vu que le livre du Lévitique nous dirige directement vers le besoin d'un médiateur divin, vers le Messie, vers Jésus. Et à partir des premiers chapitres, chaque sacrifice et offrande pointe vers son sacrifice à lui pour nous. À partir du remède de la lèpre à travers l'hysope, le cordon cramoisi, l'arbre de cèdre et l'eau vive de chapitre 14, mais c'est pas la fin. Le Lévitique n'a pas fini de nous amener de plus en plus vers Jésus. Et on va entendre une histoire assez particulière ce matin, surtout que un auteur exceptionnel qui a écrit ça, c'est l'Esprit Saint. Mais en même temps, on ne sait pas exactement quand, à quel endroit et comment tout ça s'est passé, mais on voit que quand on va trop vite, ça se peut qu'on ne comprenne pas tout, mais on va étudier le texte en particulier, chaque portion. Donc, on va voir, on pourrait appeler ça l'histoire de Azazel et du bouc. Parce que c'est quelque chose qui est toujours en train d'arriver, que la Lévitique nous montre que il faut continuer toujours pour comprendre, parce qu'on voit qu'à la fin de tout ça, c'est le Messie qui remplit toutes les conditions. Maintenant, qui est Azazel et qui est le bouc qui est envoyé à cet Azazel-là et quelle est la raison? Et afin d'essayer de trouver quelle est leur identité, on va commencer par regarder ce chapitre dans le contexte qu'on a étudié précédemment avant ça. Jusqu'à maintenant, on a vu combien c'est difficile d'approcher Dieu et de maintenir une relation avec lui si dans notre cœur n'est pas là. Alors que les sacrifices pointent vers le Messie, ils nous montrent aussi que par nous-mêmes, nous ne pouvons pas atteindre le ciel. On ne peut pas atteindre, s'approcher de Dieu n'importe comment. Ensuite, on a le Lévitique 15 qui nous parle de la condition du cœur humain, de la nature humaine. Et cette condition demandait qu'une purification soit continuelle avant d'approcher Dieu. La même chose, c'est qu'il fallait qu'il nettoie aussi ses vêtements, pas juste son intérieur à lui, mais ses vêtements et tout ce qui touche à quelque chose qui a de la peau pour la lèpre qui pouvait s'approcher, se trouver dans la peau, plutôt comment approcher Dieu suite à ça. Donc on a vu dans le livre de Lévitique, le chapitre nous montrait que même la personne la plus près de Dieu, le souverain sacrificateur, pouvait approcher le Dieu dans le tabernacle seulement d'une manière très sévère et des règles très sévères et assez stressantes. Et seulement une fois par année, à la fête du Yom Kippour, la fête du pardon ou de l'expiation. Donc, Yom Kippour, qu'on regarde à chaque année, mais on voit que c'est beaucoup plus qu'une une journée religieuse dans le calendrier. Ça va très profondément dans le cœur même du Juif qui reconnaît pour lui-même une repentance individuelle qu'il doit faire et une repentance au niveau national aussi. Et ce texte dans Lévitique est basé sur Lévitique 16:30, qui dit « En ce jour, on fera l'expiation pour vous, afin de vous purifier de tous vos péchés devant l'Éternel. » Donc, il devait d'abord confesser pour lui-même et ensuite confesser les péchés de toute la nation. Mais comment le pécheur est-il pardonné et dans quelles circonstances? C'est là qu'on va voir que le Messie remplit chaque portion de ce texte-là. Voyez comment ça commence, comment il déclare dans ce texte la grande difficulté d'approcher Dieu, même sous peine de mort, si on ne fait pas comme il faut. Lévitique 16, versets 1 et 2. L'Éternel parla à Moïse après la mort des deux fils d'Aaron, qui étaient morts en se présentant devant l'Éternel.
L'Éternel dit à Moïse, parle à ton frère Aaron, afin qu'il n'entre pas en tout temps dans le sanctuaire, au-dedans du voile, devant le propitiatoire qui est sur l'arche, de peur qu'il ne meure, car j'apparaîtrai dans la nuée sur le propitiatoire. Ça, c'est le mercy seat en anglais, c'est le siège où le jugement se passe. Ça n'a pas l'air très invitant parce que ça dit que, regarde, si tu ne fais pas comme il faut, tu pourrais mourir parce que Dieu n'acceptera pas d'être approché de n'importe comment. Comme les deux fils d'Aaron qui ont tenté d'approcher Dieu de leur propre façon et ils sont morts sur le coup. Et si on voit les veaux dans le verset 2, Aaron est défendu de venir n'importe quand dans la présence de Dieu. Voyez-vous comment la personne la plus importante en Israël à ce moment-là, le souverain sacrificateur lui-même, ne pouvait même pas lui-même approcher Dieu de n'importe quelle façon qu'il pensait que c'était approprié, non plus n'importe quel moment qu'il pensait que c'était correct de le faire. Il pouvait entrer dans le Saint des Saints, dans la chambre intérieure, dans le tabernacle, où la présence de Dieu était avec l'Arche de l'Alliance, mais seulement au jour du Yom Kippour. Pensons un moment comment cela doit s'appliquer pour nous. La vérité est ça, c'est qu'aucun Israélite, personne d'autre pouvait entrer dans la présence de Dieu excepté cet homme, ce souverain sacrificateur, et seulement une journée spécifique et à travers de grandes règles sévères à suivre. Donc, même si on regarde ça, il n'y a personne qui peut avoir la moindre chance d'approcher Dieu. Comment pouvons-nous comprendre cette fête sans penser qu'elle nous amène, elle nous oblige à se tourner vers un médiateur. Donc, quelqu'un d'encore mieux que le souverain sacrificateur, parce qu'on voit que lui-même est limité et que lui-même a besoin d'un médiateur parce qu'il est un pécheur comme tout le monde. Donc, si Aaron et Moïse ne pouvaient pas sauver Israël, qui aurait pu sauver Israël? De façon pratique, de manière à ce que le croyant approche Dieu, à partir du chapitre 1, Dieu nous dit aussi de s'ajuster, d'ajuster notre approche, notre prière, nos prières et notre repentance quand on s'approche de Dieu. Et parce qu'on dit que Dieu s'approche et que ça pourrait même être ce soir, amen. Bien, qu'est-ce qui y arriverait chez vous ce soir? Comment est-ce que vous vous prépareriez? Comment que votre maison, qu'est-ce qu'elle aurait de l'air? S'y arrivait maintenant. Donc, on va regarder dans le chapitre 16, il y a beaucoup de choses, mais dans le chapitre 17, c'est comme la conclusion de tout. Chapitre 17, verset 2, Dieu dit, « Vous serez saints, car moi, l'Éternel, votre Dieu, je suis saint. » Donc, la sainteté, c'est la clé qui ouvre les bénédictions dans la vie du croyant, dans la vie d'un enfant de Dieu. Et c'est pour ça que le chemin est si étroit dans le livre de Lévitique. Ça me fait penser quand Jésus a dit « Suivez le chemin étroit ». Il y a juste une façon d'approcher Dieu dans ce texte de Lévitique 16 et 17. Donc, même si on a parlé un peu du jour du Yom Kippour en septembre, ça vaut la peine de le répéter. Par exemple, le Talmud, dans le livre de Yoma, dit que 7 jours avant le Yom Kippour, il déménageait le souverain sacrificateur dans un appartement spécial dans le temple, où est-ce qu'il devait répéter toutes les actions requises encore et encore. Pourquoi? Parce qu'il avait peur que s'il se présente, il pourrait mourir. C'est ce que le texte disait. Donc, durant la nuit avant, il le gardait réveillé toute la nuit pour avoir peur qu'il
se soit souillé dans la nuit par certains rêves. Donc, pour éviter que le souverain sacrificateur s'endorme, il disait qu'il le faisait marcher sur les dalles froides de la cour du temple. Imaginez-vous, il voulait vraiment pas qu'il dorme, qu'il ait peut-être un problème le lendemain avec sa présence devant Dieu. Donc, on voit ensuite, le souverain sacrificateur, il faut qu'il passe à travers 5 complètes immersions complètes et ensuite 10 actions de se laver les mains et les pieds. Donc, c'est quand même quelque chose. Et durant ça, il fallait qu'il se change de vêtements 5 fois. Et il fallait qu'il fasse ça très rapidement parce que la journée était remplie de sacrifices et d'ordonnances et d'offrandes à faire. À 3 heures l'après-midi ou la 9e heure, il fallait qu'il ait tout fini. Tout ce qu'il avait à faire. La journée du Yom Kippour, le souverain sacrificateur avait 2 vêtements. Le vieux vêtement, si on veut, qui était composé de 8 pièces, dont 4 contenaient de l'or, et le vêtement blanc, 4 pièces, comme nous voyons dans le verset 4. Son vêtement blanc était seulement porté le jour du Yom Kippour et seulement lorsqu'il entrait en présence de Dieu. Donc, ça nous rappelle que le souverain sacrificateur et tout Israël devaient entrer avec humilité, pas en tant que roi, mais en tant que serviteur, demandant le pardon pour ses péchés. Donc, dans le livre de Lévitique, chapitre 16, on va voir 16 fois le mot en hébreu « kapar », qui est le mot « expiation », qui veut dire dans sa signification de payer une rançon, d'enlever quelque chose ou de faire quelque chose en payant le prix qu'il faut. Donc, après que les principaux sacrifices soient faits ce jour-là, en tout, il y avait 3 choses qui étaient purifiées à travers les sacrifices. Premièrement, le sacrificateur lui-même devait offrir un taureau en sacrifice pour lui, pour lui-même et pour sa famille. Ensuite, il devait offrir un sacrifice dans l'endroit saint afin de le purifier, de la purifier parce que les gens étaient venus, et lui-même venait du peuple, donc ça avait besoin d'être purifié. Et troisièmement, la troisième entité, c'est qu'il devait purifier, faire la purification pour toute la nation d'Israël au complet. Et c'est là qu'on arrive à l'histoire de Azazel. Premièrement, cet animal n'est pas sacrifié, mais il est laissé aller. Donc, c'est pas la même chose. On va aller voir maintenant quand il va être envoyé qu'à Azazel, c'est les versets 7 à 10. On trouve ça seulement dans ces 4 versets-là. Mais avant d'aller lire dans différentes traductions, on va être des fois confus parce que le mot Azazel est parfois traduit en anglais, c'est scapegoat, en français, ça serait un bouc émissaire. Même si souvent on n'en parle pas, c'est quand même ce mot-là qui a été traduit dans plusieurs traductions. L'idée est que dans le texte, Azazel, ce n'est pas un bouc émissaire. Et le bouc, c'est Azazel qui n'est pas vraiment le bouc. Je pense qu'on est déjà un peu perdu, mais on va regarder une version juive littérale, traduction littérale, la Shoken Bible, qui plus tard est vraiment littérale, mais on voit ici que ça devient plus clair lorsqu'on parle de cet événement. Le texte dit, Aaron, le souverain sacrificateur, devra prendre 2 boucs et les présenter devant l'Éternel à la porte du tabernacle ou de la tente d'assignation, comme on dit, un lot pour l'Éternel et un lot pour Azazel. Et le bouc pour lequel le lot d'Azazel est sorti sera celui qui restera vivant devant la présence de l'Éternel pour recevoir sur lui l'effet de l'expiation du péché et sera
renvoyé vers Azazel dans le désert. Donc, qu'est-ce qui se passe ici? Bien, on voit que c'est là que le mystère est là. Et si on ne regarde pas à Jésus pour comprendre, si on ne fait pas de lien à Jésus, on va rester dans un mystère, on ne comprendra pas. Donc, le premier sacrifice pour le peuple, il était afin qu'il puisse se tenir devant Dieu. Donc, le verset 15 à Aaron, on lui dit qu'il devait amener le sang du bouc à l'intérieur du voile pour faire l'expiation du lieu très saint. Et il nous a dit au verset 16, verset 22-23 plutôt, nous dit, « Aaron posera ses deux mains sur la tête du bouc vivant et il confessera sur lui toutes les iniquités des enfants d'Israël et toutes les transgressions par lesquelles ils ont péché. Il les mettra sur la tête du bouc, puis il le chassera dans le désert à l'aide d'un homme qui aura cette charge. Le bouc emportera sur lui toutes leurs iniquités dans une terre désolée. Il sera chassé du désert. » Donc, on voit que c'est tout ce qui nous est dit qui sera envoyé vers Azazel dans le désert. Mais on voit que le bouc est très important parce qu'il porte tout sur lui, toutes les iniquités du peuple. Comment cela arrive-t-il et comment c'est fait? C'est ce que notre texte va nous dire. Ben, premièrement, on voit que ça s'en va à Azazel, dans un endroit quoi? Inhabité dans le désert. Et on voit que tout à coup l'histoire s'arrête. On nous dit pas le reste de l'histoire. On nous dit seulement qu'il s'en va à Azazel, dans un endroit inhabité, donc dans le désert. Alors, il nous est demandé de faire un effort pour trouver qui est Azazel dans notre texte et en faisant le lien aussi avec Jésus. Première chose, c'est qu'on voit en anglais, il est traduit, j'imagine, scapegoat, le bouc qu'on voit ici, n'est pas vraiment dans les textes originaux. C'est une traduction du nom Azazel, qui n'est pas un bouc du tout, là. Comment ce mot bouc émissaire ou scapegoat en anglais est arrivé? Bien, c'est arrivé au début avec une traduction dans l'année 1530 par Tyndale, qui ensuite les versions en anglais, la King James, a continué. Parce que se sont basés sur deux mots, bouc, et Azal, qui veut dire s'en aller. Alors, ils ont fait avec les deux mots le bouc qui s'en va, ou le bouc émissaire, si on veut. Mais ce n'est pas comme ça que le texte l'approche. Il y a un rabbin, Eben Ezra, qui voulait peut-être apparaître un peu énigmatique et mystérieux. Il a écrit ce commentaire au sujet de Azazel. Il a dit, « Je vous dévoilerai une partie du mystère quand vous aurez 33 ans. » Vous le saurez. Qu'est-ce qu'il voulait dire par « quand vous aurez 33 ans, vous le saurez » Un autre rabbin qui est venu moins de 100 ans après lui, mais qui est un peu plus terre-à-terre, M. Namanides, a dit que Ibn Ezra voulait qu'on compte 33 versets à partir du texte de Lévitique 16-10, et alors on arrivait au texte 33 versets plus loin, de 17 verset 7, qui a la réponse. Et il est dit à ce verset-là, « ils n'offriront plus leur sacrifice au bouc démon avec lesquels ils se prostituent. » Donc, dans les versions françaises que j'ai vues, le mot « démon » n'est pas là, mais dans l'original, il est là. Et on voit que pour la compréhension des rabbins, Azazel était vu comme étant un démon, le chef des démons que nous connaissons comme Satan lui-même. Est-ce qu'il pourrait avoir raison? Et la conclusion, on voit que par rapport à l'endroit où tout ça se passe, ça se passe dans le désert. Le désert, comme on voit dans un texte parallèle, Ésaïe 13 et aussi 34, dans les deux passages, il est décrit les créatures du désert. En hébreu, c'est un mot, et c'est « zi ». Du mot qui vient du mot Zaha, qui est venu en décrire aussi la jalousie et la colère. Donc, des créatures du désert, qu'est-ce qu'elles sont? On voit que dans Ésaïe les décrit avec des noms qu'on peut connaître
pour démontrer que dans le fond de tout ça, c'est des démons. Ésaïe 13, 23, donc le parallèle, c'est des démons, ces animaux-là. 13, 21, Ésaïe dit, les animaux du désert y prendront leur gîte, les hiboux rempliront les maisons, les autruches feront leur demeure, les boucs y sauteront, les chacals hurleront dans ses palais et les chiens sauvages dans ses maisons de plaisance. Donc, on voit à travers ça que il y a plusieurs noms d'animaux et qui sont juste des... on peut juste deviner parce que il y a des mots comme autruche et des bêtes sauvages. Ça peut être aussi des loups, des hyènes ou des dragons ou des choses comme ça. Donc, on voit que ce mot-là en vient qu'à dire qui est ce fameux bouc qui est là, qui est Azazel. C'est plus un personnage de malin. Et on voit que c'est la même chose qu'on peut que faire un lien entre Azazel avec un démon et peut-être même le chef des démons qui est Satan et qui vient dans ce qui est décrit dans ce texte. Et le mot Azazel, là, si on le traduit dans le fond directement, ça serait Dieu fort ou Dieu puissant. Parce que le mot El pour Dieu est Razam en hébreu pour puissant. Donc, ça pourrait très bien décrire un ange puissant qui est déchu ou qui lui-même voulait devenir comme Dieu. Lévitique dit que les péchés seront sur cet Azazel, non seulement pour le blâme des actions des autres, mais beaucoup plus les actions aussi, pas beaucoup plus, mais les actions du peuple également, qui est un type du Messie qui prend sur lui les iniquités, les transgressions, les péchés d'Israël et du monde sur lui, et ensuite confronte Azazel avec ça. Pardon. On voit que c'est une confrontation qui ne cesse jamais, jusqu'à temps que finalement nous soyons tous les croyants avec Dieu, car Jésus a payé pour tous les péchés, exactement comme l'image a fait sur dans le texte qu'on vient de voir. Ceci viendrait accomplir la fameuse prophétie de Genèse 3:15, où il est parlé que le Messie, la postérité du Messie, t'écrasera la tête au serpent, et le serpent, tu lui blesseras le talon. Donc, on voit que bien avant la crucifixion, cette prophétie a été donnée bien avant, donc dans le jardin d'Éden, dès la chute. Donc, on voit que et par la suite, on a vu que tout de suite, il y a une bataille entre le Satan et l'accuseur et le Messie. Premièrement, on a vu le premier meurtre d'Abel avec qui était la postérité, donc qui avait été dit dans le chapitre 3. Ensuite, quand il y a eu Sarah a été kidnappée dans Genèse 12 encore, la postérité du Messie était en danger, mais Dieu a réglé tout ça à travers sa force et sa puissance, car il est toujours en contrôle. C'est lui qui dirige tout. Et la même chose qu'on voit dans le texte de Jésus, où tout de suite après son baptême, il est dit, Jésus fut conduit par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le malin. Donc, c'est une image similaire que le Messie est comme le bouc qui va confronter Azazel. Marc en parle de plus longuement dans Marc 1, verset 13. Aussitôt, l'Esprit poussa Jésus dans le désert où il passa 40 jours tenté par Satan. Il était avec les bêtes sauvages et les anges le servaient. Donc, les mots bêtes sauvages, c'est un seul mot en grec, terion, qui décrit souvent des esprits méchants et utilisé dans Apocalypse 11, verset 7, pour décrire le malin comme étant la bête sauvage qui monte de l'abîme. Et la même chose dans Apocalypse 13:1, qu'on voit que l'Antichrist est une bête qui sort de la mer. Donc le désert où est-ce que Jésus a été envoyé pour confronter Satan, le Azazel.
Avez-vous déjà remarqué, quand Jésus est allé dans le désert, il était seul, il était à part de la foule, et souvent il se retirait pour prier. Tout de suite après avoir choisi les 12 apôtres, nous voyons dans Luc 6, verset 12, « En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier, et il passa toute la nuit à prier Dieu. » Matthieu 14, 23 nous dit, « Après qu'il ait envoyé ses disciples, le texte nous dit, « Quand il eut renvoyé la foule, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là, seul. » Donc, on voit dans ces moments d'un combat, jusqu'à ses derniers pas vers la confrontation finale, où est-ce qu'il brisera la tête de Azazel. Et nous voyons Jésus que plus son ministère avance, il est de plus en plus isolé. Nous lisons dans Jean chapitre 6, verset 66, qui marque des temps de grande persécution. Déjà, le texte nous dit que dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils cessèrent de le suivre. On voit aussi dans Jean 7, on voit un rejet total de Jésus. Même il est rejeté par ses amis. Même sa famille, on voit que Jésus est vraiment seul à ce moment-là. Et les chefs religieux, qu'est-ce qu'ils veulent faire? Bien, ils veulent le tuer. Et c'est là qu'on voit que personne ne lui parlait de lui directement parce qu'ils avaient peur aux chefs religieux qui voulaient le tuer, Jésus. Et 6 mois après, il a été crucifié. Donc, déjà, on ne voulait pas que le nom de Jésus soit prononcé, même dans Jérusalem. Verset 13, et on nous est dit que personne ne parlait de lui par peur des chefs religieux. Et au verset 25, les gens ont demandé, n'est-ce pas lui qui cherche à tuer? Donc, il était vraiment rendu à un point où il était rejeté, exactement comme Ésaïe le prophète l'a déjà prophétisé plusieurs centaines d'années avant. Donc, le moment de Gethsémani, il faut comprendre que c'est le pire moment, le plus difficile. La crucifixion a été difficile physiquement, mais à ce moment-là, c'était plutôt un combat spirituel, parce que lui était pour donner le péché de tout le monde, alors qu'il n'avait jamais connu ça. Donc, il savait pas exactement qu'est-ce que ça pourrait être, parce que lui-même n'avait jamais été pécheur. Donc, parce que lui était complètement sans péché. Alors, tous les forces démoniaques et Satan lui-même devaient être contre une seule personne présentement, contre un homme, Yeshua, dans le jardin de Gethsémani, qui est prêt à payer pour des péchés de tout le monde, pour ceux qui voudront bien croire en lui, parce qu'il ne force personne, mais il offre son sacrifice pendant qu'il est encore temps, il offre la vie éternelle. Et c'est là qu'on peut voir comme on voit dans le livre d'Ecclésiaste qui dit que l'amour est aussi fort que la mort. Et on peut même dire que l'amour conquiert ou vainc la mort. Et c'est dans le jardin de Gethsémani et qui est à la toute fin que tout ça va arriver, tout va être donné, tomber sur Jésus pour amener la possibilité de la vie éternelle à ceux qui voudront bien croire. Donc, on pourrait dire que c'est l'histoire du bouc et d'Azazel. Et à travers toute cette épreuve, Jésus a souffert terriblement, mais alors qu'il apparaissait fragile, faible, dans tout ça, il était maître de la situation. Il a tout dirigé et il a tout amené à la croix parce qu'il était venu pour cette seule raison, pour mourir sur la croix. Mais c'est pas la fin encore. La fin d'Azazel est à venir. Nous voyons dans Apocalypse 20:10 le texte qui nous dit « Et le diable qui les séduisait fut jeté dans l'étang de feu et de soufre,
où sont la bête et le faux prophète. Ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Alors, c'est là qu'on arrive à la fin de l'histoire de Lévitique 16, quand ça va arriver, où le diable lui-même sera jeté dans l'étang de feu pour toute l'éternité. Donc, c'est pas ce que, tout ce que Lévitique 16 nous dit. Il y a d'autres passages qui nous demandent une réponse, des passages qui nous confirment que sans Jésus, il est pratiquement impossible de faire, de comprendre la Torah comme il faut. Par exemple, une question qui a été demandée, c'est pourquoi il a été dit de tirer au sort Lévitique 16, verset 8, pour déterminer quel bouc serait sacrifié, et quel serait libéré pour aller dans le désert. Dans la loi orale juive, se sont assurés même que les deux boucs soient de la même grandeur et du même poids. La question, c'est pourquoi on a besoin de tirer au sort si les deux boucs sont pareils? Même poids, même grandeur, même chose. C'est ce que certains rabbins ont demandé. Mais c'est... D'habitude, quand on tirait le sort comme ça, c'est pour déterminer la volonté de Dieu. Mais pourquoi ont-ils besoin de la volonté de Dieu au sujet de deux boucs presque identiques? Peut-être que c'est fait de cette façon pour qu'on se pose la question et qu'on cherche la réponse, qu'on cherche la signification de cette histoire-là. Donc, on voit que quand ça arrive à tirer au sort, on voit que c'est la prérogative de Dieu. C'est lui seul qui agit, qui fait agir le sort à la manière qu'il veut. Juste avant le sacrifice de Yom Kippour, ce que nous lisons au chapitre 16, verset 23. Aaron entrera dans la tente d'assignation, il quittera les vêtements de lin qu'il avait mis en entrant dans le sanctuaire et il les déposera là. Et les mots, il quittera ses vêtements. Pourquoi il devait laisser ça là? Et en plus, le mot semble dire qu'il fallait qu'il fasse très rapidement. C'est un mot fort. C'est un mot comme quittera, c'est quasiment comme déchirer, quasiment enlever rapide. C'est le même mot qui était utilisé quand la femme tenait la tunique de Joseph dans Genèse. Et ou encore lorsqu'ils enlevaient la peau d'un animal. C'est quelque chose qui doit être fait rapidement. Donc, la question, c'est pourquoi que le souverain sacrificateur devait laisser les vêtements blancs de lin dans l'endroit très saint, et combien de temps que ça restait là après? Mais le premier, c'est comme le début. À chaque fois qu'on approche Dieu, il faut le faire avec humilité et sincérité. Et le deuxième nous rappelle, deuxième chose que nous rappelle ceci, c'est que le Messie vient d'en haut, qu'il a changé ses vêtements de roi pour être ceux d'un serviteur, afin de mourir pour nous tous qui croirons en lui. Lisons maintenant ce que, au verset chapitre 29 à 34, le festival de Yom Kippour, lorsqu'il est institué, juste avant le chapitre 23 même, qui va parler des sept fêtes d'Israël. Et regardez le mot, on va le dire dans le texte, le Rolam, qui veut dire quelque chose de permanent, de toujours. Verset 29, c'est ici pour vous une loi perpétuelle, au septième mois, le sixième jour du mois, vous humilierez vos âmes, vous ne ferez aucun ouvrage, ni l'indigène, ni l'étranger qui séjourne au milieu de vous. Verset 31, ce sera pour vous un sabbat, un jour de repos, et vous humilierez vos âmes. C'est une loi perpétuelle. Verset 34, ce sera pour vous une loi perpétuelle, et se fera une fois chaque année l'expiation pour les enfants d'Israël à cause de leurs péchés. Et quand on dit perpétuel, c'est permanent, c'est le rolam. Comment on peut faire ça aujourd'hui s'il n'y a pas de temple aujourd'hui? Donc le Rolam, dans le fond, c'est il va rester là toujours jusqu'à quand? Jusqu'à temps que le Messie vienne et qu'il prenne sur lui les péchés
du monde entier, que ceux qui vont croire en lui auront la vie éternelle. Parce que leur âme qui durera toujours, ça ne veut pas dire toujours dans le sens de l'éternité. Parce que, par exemple, lorsque l'esclave voulait demeurer avec son maître, et vous savez, l'histoire Deutéronome 15, verset 16, dit de prendre un poinçon et lui percer l'oreille contre la porte, et il sera pour toujours ton esclave. Ça veut dire le temps que durait sa vie. Et alors que maintenant, bien, nous pouvons le faire par la foi en Dieu, mais on n'a pas besoin d'être percé dans l'oreille, mais c'est un choix que nous devons faire. Et maintenant, nous allons voir par rapport au souverain sacrificateur avait besoin de savoir lorsque le bouc en arrivait au lieu du désert afin de procéder. Il y avait seulement un signe que rapporte le Talmud. Il disait qu'il y avait un cordon de rouge cramoisi attaché à la porte du sanctuaire. Et lorsque le bouc avait atteint le désert, et à ce moment-là, le cordon tournait au blanc. Donc, on sait que dans l'histoire, c'est arrivé seulement une fois que le cordon a arrêté de devenir blanc. C'est quand Jésus était sur la croix. À ce moment-là, le cordon n'a pas tourné au blanc. C'est comme quand Dieu a dit dans Ésaïe 1:18, il a pris cette image, il a dit, venez, plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine blanche. Donc on voit que tout ça, le chapitre 16 en vient à arriver à une conclusion importante. C'est le chapitre 17, verset 11. C'est comme le code de la sainteté qui est dans un verset. Car l'âme de la chair est dans le sang. Je vous l'ai donné sur l'autel, afin qu'il servît d'expiation pour vos âmes, car c'est par l'âme que le sang fait l'expiation. Donc, tout le message du système de sacrifice est expliqué dans ce verset qui dit qu'il n'y a pas de pardon des péchés sans qu'il y ait du sang de versé. Le sang des animaux, c'est ce qu'on comprend, le sang des animaux par lui-même, nous comprenons, qu'il ne peut pas sauver. Et donc, c'est comme quand tout ce qui a été dit à propos du Messie qui vient d'éternité est venu humblement, comme Michel l'a écrit, pour être notre sacrifice, comme Ésaïe l'a écrit aussi, en disant, il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et en ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Donc, c'est tout ce que les prophètes ont dit, c'est ce que Jésus a fait, s'est rendu obéissant jusqu'à la mort. La mort de la croix pour offrir le salut à l'humanité. C'est là que le texte de Lévitique 16 nous amène. Maintenant, je vous amène une légende au sujet du Saint des Saints. Il y avait une légende qui disait qu'il y avait une pierre. Parce qu'au moment du premier siècle, le Saint des Saints était vide. L'Arche de l'Alliance n'était pas là. Donc, et quand les lois de Lévitique 16 ont demandé que le sang soit aspergé devant le propitiatoire, qu'est-ce qu'ils ont aspergé exactement? Cette roche dont on parle, qu'ils appelaient eux autres le Ben Eben Shetia. C'est une prophétie qui le Zohar dit dans un de leurs livres au sujet de cette pierre. Il est dit, c'est de cette pierre dont il est question dans les versets Ésaïe 28:16, la pierre qu'ont rejeté les bâtisseurs qui est devenue la principale de l'angle. Psaume 118:22, on l'appelle la pierre de fondation, premièrement parce que le monde a été créé par elle et aussi parce que Dieu est une source de bénédiction pour le monde. Une source de bénédiction pour le monde. Donc, on voit que cette pierre-là, c'est la pierre-là, c'est le Messie. Et c'est ce que Ésaïe nous dit, que
que Dieu a mis en fond, en Sion, une pierre angulaire. Celui qui la prendra pour appui n'aura pas hâte de fuir, donc n'aura pas crainte, car Dieu est avec lui, comme le texte qui nous dit que celui qui croit en lui ne périra pas, mais il aura la vie éternelle. Prions, courbons nos têtes pour remercier Dieu. With your love, bind our hearts to your commandments and bring together our hearts in love and in awe of your name, so that we may never be reproached for eternity. Because we trust in your holy name that is great and wonderful, let us rejoice and be glad because of our salvation. And to the congregation, the Lord bless you and keep you. The Lord makes his face shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up his countenance upon you and give you peace. Amen and amen.